et vous remplacez la boucle pour Stonke. Ça, je ne l'ai pas fait. Normalement, ça sera mieux qu'on le fasse aujourd'hui, puisque c'est le même principe pour tout le monde. On va essayer de le faire. Oui, merci beaucoup. Ah, oui, pas de souci, pas de souci. Très bien. Alors, donc, juste avant de terminer la séance, je suis un peu fatigué. On va faire quoi? Avant de terminer, juste un petit rappel. Comment remplacer la boucle pour Stonke dans for, Stonke's while, avec le programme, avec l'algorithme. Donc, on va le faire ici. On va le faire le truc bien. Donc, on va faire après le truc avec du. Ok, ici. Ok, je reviens au programme d'Allen. Donc, pour le remplacement, c'est très simple. Par exemple, maintenant, remplacer avec la boucle, comment il s'appelle? La boucle les entrées. La boucle for les entrées. Très bien. Donc, comment remplacer? C'est très très simple. Ok. Pour la boucle while. La boucle for à la boucle while. Regardez, c'est un peu déjà avant. Je pense que vraiment des petites vidéos sur community. Je pense sur une community. S1. Vraiment des vidéos de S1. Regardez les examens. Ça, c'est le rendez-vous. Ça, c'est le truc. Alors, ça c'est les. Voilà, je garde les liens sur les vecteurs. Révision sur les boucles. Voilà, révision sur les boucles, 42 mégas. Les petites vidéos, il vous explique comment transformer la boucle pour attendre que. Répéter au titre là. Oui, répéter au titre rima, puisqu'il S1, on a dit on va pas faire répéter. Le S1. Mais on va le faire tout à l'heure. On va le faire. Je vais vous expliquer le principe. Donc, si je vois cette vidéo, je vais l'ouvrir jusqu'à 15 ans. Ça, c'est expliquer le concept de boucle. Vous pouvez voir les concepts de boucle à gain. Vous pouvez les revoir les concepts de boucle à gain. Ça vous permet une petite révision. Comment ça marche les boucles, d'accord? Ok. Pourquoi la vidéo n'est pas claire? Je pense qu'il faut faire la qualité. Je pense c'est la qualité. Très bien. Donc, le guide explique les boucles. Je pense de façon générale, c'est quoi le compteur, valeur initiale, valeur finale. Très bien. Mais c'est pas cette vidéo. Je vais accéder à la vidéo suivante. Ça là. Le guide, il y a un schéma. Voilà. Je peux zoomer? Ok, oui, je peux zoomer. C'est en web, oui. Ok, il y a un schéma ici qui explique comment convertir. Voilà, c'est ce truc-là. Voilà, vous remarquez ici. Donc, ça c'est l'explication du boucle, je pense. Mais bref, le schéma de conversion, c'est celui-là. Good. Vous remarquez ici la boucle pour, celle-là, elle est traduite comme ça, de façon générale. Vous remarquez, vous avez ici un bloc d'instruction de la boucle pour. Vous remarquez comment je le convertis à la boucle tanke. Les choses sont rendues. Si P reçoit VI, ça devient une instruction wahdes. Si PTI, ça veut dire compteur. Compteur reçoit valeur initiale, à faire wahdes. Après, compteur jusqu'à VF, ça devient compteur inférieur ou égal à VF. Ici, tanke faire. Donc faire égal pour ça devient tanke. Et reçoit égal wahdes, c'est une instruction à part. Après, je vais faire la relation entre compteur et VF avec inférieur ou égal. Donc la partie égale reçoit jusqu'à 1, ça commence inférieur ou égal. Et j'écris toutes les instructions que l'indagène. Par exemple, ça comme ça les instructions, je vais écrire ici 5 instructions. Après, il faut faire compteur, reçoit compteur plus 1. Ça, c'est toujours comme ça. Attends un exemple ici. L'exemple ici, pour k reçoit 0 jusqu'à 100, faire écrire k fois 2. Donc, comme k reçoit 0, tant que k inférieur ou égal à 100, je répète cette instruction ici. Après, j'ajoute k reçoit k plus 1. Donc, si je comprends le principe, je comprends le modèle, je peux venir à notre programme. Je peux venir à notre programme et on va essayer de le faire. Dès qu'il est à notre programme, je l'ai fermé, il est là. Je vais venir ici. Voilà. Je vais essayer de le faire ici. Donc, le guide, il reçoit 1, c'est une instruction. Il reçoit 1. Après, reçoit jusqu'à tout à se remplacer inférieur ou égal. Et bien sûr, for, ça devient while. Très bien. D'où, après d'agir, elle donne l'instruction et reçoit i plus 1. Voilà, j'ai appliqué ce qu'il a dit de l'algorithmique. Sauf que ici, au niveau du Pascal, le code qui me lâche, toi, je pense, un sur le Pascal, exactement. Attends, d'agir, le Pascal. Attends, j'ai traduit ça.
La guéfera, on va le faire en while. Le seul souci ici, while, d'ajout, c'est que il y a deux instructions, il a qu'à dire c'est while. Et vous avez vu au niveau du cours, si vous ne faites pas de begin et de end point virgule ici, donc ici, le mazal foukara, dès qu'il termine, ça, c'est... voilà, très bien. C'est ici, vous remarquez ici, il a ajouté begin et end point virgule. La cause, c'est quoi? La cause qu'il y a deux instructions, la même chose pour nous ici, le fait qu'il y a read plus et reçoit et plus 1 pour ce while, obligé. Le connaissez déjà ce qu'il y a, on aura une boucle infinie. C'est quoi une boucle infinie? Ça veut dire, il y a des rimes 1, il reçoit 1. Est-ce que 1 est inférieur, par exemple, à 4? Par exemple, 1, c'est 4. 1 inférieur égal à 4, oui. L'irti de 1, à dire quoi? L'irti de 1, l'irti de 1, l'irti de 1. Et au choix, il n'a pas exécuté l'instruction et repose. Voilà, tout ça. Malgré que je fais un décalage, mais le Pascal de Guédé Schaeffer a dit fin blé, soit là, il doit terminer ici. Vous remarquez ici une remarque, ne jamais faire point virgule après le. Vous allez voir la preuve. Enfin, j'exécute. Et on va voir une boucle infinie. Pourquoi il n'a pas effacé l'écran? J'aime pas lorsqu'il n'efface pas l'écran. Toujours. Il n'y a pas de souci. Ah, my God. Toujours c'est la même chose. Toujours c'est le même problème. C'est bien. Je vais faire ici 4. Mon calculateur, je donne une valeur, deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur. Vous allez ça à vous saisissez les valeurs que vous voulez, et jamais défargue la lecture. Pourquoi? Puisque la boucle loi est scrim vraie. Saisissez n'importe quelle valeur. C'est à cause que il n'a pas fait et reçoit et plus 1. Il n'a pas fait et reçoit et plus 1 à l'intérieur de la boucle loi. Du coup, cette condition, elle est toujours vraie. Donc, pour éviter ce problème, je ne peux pas modifier si je ne quitte pas le programme. Il faut faire stop tout d'abord. Après, vous modifiez. Begin et end point. C'est très important ça. La khatar n'a net une instruction, c'est d'arl while. Donc, il faut faire begin. Donc, le begin et end point, c'est sur l'examen 0,25, 0,25, c'est-à-dire 0,5. Plus celle-là, c'est 0,5, c'est sur 1 point d'aigle. Plus le while, c'est 0,5, c'est sur 1,5. Dans la conversion, on a 1 point dans la conversion. Alors, on a les morceaux. Très bien. Maintenant, ça doit marcher. Je vais faire comme ça, exécuter. Je veux qu'il efface l'écran. Très bien. Exécuter s'il te plaît. Oh my God. Soit il exécute, soit il passe par l'écran, soit il exécute pas. Très bien. Stop. Ah, c'est bon, il a exécuté. Ouais, il est précipité. Voilà. Maintenant, on va se faire 4 éléments. Je m'excuse. Ok, 4 éléments. On va se faire 1. Voilà. Ça marche. Ok, il a compté le. Le nombre de des éléments pairs. Chalik il a les éléments pairs, il a eu une ken, c'est 4 lui-même. C'est 4 qui est dans la case des 3. Donc l'essentiel. Vous avez vu comment je vais replacer. Attends. La même chose ici. Je veux remplacer ça avec while. Kif kif. Il reçoit 1. C'est que ça soit wahdes. C'est comment c'est wahdes. Après, while. While, elle ne travaille pas avec valeur initiale, valeur finale. Elle travaille avec une condition. I, il a toujours dit il est inférieur ou égal à 1. Ça reste comme ça. Après, il reçoit i plus 1, c'est d'accord if. Il reçoit i plus 1, c'est d'accord while. Donc, je l'ai aligné avec if pour dire qu'ils sont dans le même niveau. Donc, du coup, je dois ajouter begin et end point virgule. Voilà. Si j'exécute, on aura la conversion. Donc, 4 éléments. En tout cas, des éléments. Je prends les éléments pairs, c'est toujours 1. C'est 6 qu'un qui hyper. Vous remarquez, ça marche. Donc, ça, c'est pour la boucle while. Vous avez vu comment j'ai. Donc, le résumé de Glendager, c'est l'algorithmique et aussi c'est le Pascal. Ça, c'est pour while. Pour répéter, c'est comme while. Je mets ça while, while, ça me répéter. Donc, while à répéter, c'est plus simple. Sauf, donc, je vais faire un fort, entre la refaire. Je reviens en arrière, c'est bon. Donc, on va voir comment tout d'abord convertir for à répéter. For à répéter, c'est comme while. Il reçoit un fois wahdes, c'est comme while, exactement. Après, je remplace tout ça avec while. Avec repeat, pardon. Ok? Et à la fin, j'oublie pas l'instruction. Il reçoit et plus 1. C'est comme while.
بعد et après c'est until jusqu'à until i il m offrir de i supérieur à 1. Donc la différence avec while c'est que while inférieur ou égal, répéter c'est supérieur, c'est l'inverse de inférieur ou égal. Donc i reçoit 1, je fais le traitement اسر نور 1 اي ما وفرت اي سوبيريور ان الحبسه ما وفرت انفيريور وحبسه على كيما هكا. دونك سا سي لا كونديسيون داري كونت اسكو اون فا ساريتي اون فا ساريتي لوسك اي سوبيريور ان بار كونتر واي سي سا سي لا بوكل ماشي داري سي لا بوكل سي لا كونديسيون دو بوكل سي با لا كونديسيون داري مي لا اي انفيريور ايغال ان جو كونتينيو جيسبر بيان كي سي كلير اوكي وغير اثن كومون جي ريبيتي جي رامبلاسي لا بوكل فور سوا. Comment remplacer la boucle while soit elle se répète, c'est clair. Donc d'agir c'est répète, elle demande la condition égale à s'inverser, la condition égale. Donc c'est répète et vous faites ici until autrement la condition supérieure. Ça aussi c'est quoi? Sauf que ici le begin égale et le end égale ne sont pas obligatoires. Ils sont corrects mais ils ne sont pas obligatoires. Normalement il n'y a pas de souci. Attends, il n'y a pas de souci. Vous avez vu? Et ça s'exécutait. Mais normalement, ce n'est pas obligatoire. Sans cela, Mario, ce n'est pas obligatoire. Je vais faire 4 éléments. 1, 2, 6 et 5. Il y a 2 éléments pairs. C'est 2 et 6. L'insigne, les éléments pairs. Mais par contre, le begin et le end ne sont pas obligatoires. Et où est-ce qu'on répète ça à la begin end alors qu'il y a 2 instructions? Tout simplement, c'est à cause du mot clé repeat et until. D'ailleurs, il commence à se répéter, il se fait casse until. Donc, le Pascal, il n'en a pas besoin. Ce n'est pas obligatoire. C'est un mot begin end qui a dit à la main d'Adifek. Donc, il sait dès le démarre, dès le début. Quand est-ce que ça démarre et quand est-ce que ça se termine? Ça se démarre avec repeat et ça se termine avec until. Donc, c'est ça le principe. J'espère bien que vous avez compris. On a trop tardé, mais la vidéo elle est très longue. Je pense je vais la faire comme ça, longue, mais à travers des morceaux. Je vais la copier à des morceaux. Où chaque morceau, c'est qu'un titre d'Amchetetouah. On a traité un aspect. Donc, voilà, je vous dis bon courage et travaille bien. Avant de couper, pardon. Avant de couper, je vais tout d'abord poser les questions, mais ça, mes questions, avant d'arrêter. Monsieur, pourquoi tu as fait S hein, S plus 1, c'est le compteur. S reçoit S plus 1, c'est le compteur. C'est pas le nombre d'éléments. La guy, c'est pas la somme des éléments. La guy, c'est le compteur, le nombre d'éléments. Par contre, le quadrat de T de I, c'est la somme. La guy de la somme. C'est vraiment un petit asgli. S reçoit S plus 2, c'est la somme des éléments. Mar S reçoit S plus 1, c'est le nombre d'éléments, c'est le compteur. Donc, au guillemets, il est avec le fichier PDF. La différence entre le compteur et le fichier PDF, le compteur et la somme. La somme, c'est S reçoit S plus 2 de I, S indéquin. Ça, c'est une somme. Ça, c'est une somme. Par contre, ça, c'est un compteur. Si reçoit C plus I. Le connor de la condition, il est avec. Si reçoit C plus I, je vais trouver N. Attends, 0 plus 1, 1 plus 1. 2 plus 1, 3 plus 1. Avec Salikan, à faire 1. Mais mettre là la condition, ça dépend de les valeurs modules. Donc c'est ça. C'est pour ça que je fais juste qu'un. C'est un exemple pédagogique. Donc le PDF, on le retrouve où? Oui, merci monsieur. Donc le PDF, car le PDF, ce PDF-là, vous allez le trouver sur. Normalement, il l'a déjà. Il existe déjà le PDF à gueule. Communauté. Le truc avec communauté et ici vous trouvez voici quelques liens sur les exercices avec solutions sur les matrices divers c'est quoi divers je ne me souviens plus c'est des liens Dropbox hein. Donc sinon en titre de la description de la vidéo ou autrement d'autres liens en titre de des liens chaque une wahdes la partie communauté je vais voir qu'est-ce qu'il affiche ici non ça c'est des exercices divers. C'est des exercices divers. Donc, les liens, c'est des exercices. Fais un petit traitement. Fais un petit traitement. Les liens, fais un petit traitement. Juste maintenant, petit traitement. Dérouler une boucle. D'accord. Je vais les faire. Je pense que là, c'est une dague. Je vais les faire. Je vais vous faire le lien du PDF à guerre. Le PDF, je vais le faire maintenant. Bon, je ne vais pas l'oublier. Donc, je suppose qu'il est ici. Voilà. Ça, c'est révision 2024. Ok. Ok, je vais entrer dans le PDF. Je vais le chercher, je vais le faire. Ok, je vais le chercher. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer le. Ok. Quand on déclare un tableau, est-ce qu'on va mettre. Non, c'est comme ça, c'est une erreur. Il ne faut pas faire 1.1.
Mettre même un point, point un, ça sera une erreur. Ça sera une erreur. Puisque mettre un dagué un, c'est une variable. Là, c'est une constante. Sinon, ça sera une erreur. Fazal, si je fais ici un, il y a une erreur. Donc, on ne peut pas faire jusqu'à un. Ok? Oui, un point, point un, nous n'avons le schéma qu'un. Le schéma d'entrée et sortie. Par contre, dagué, ça sera une erreur. Enfin, erreur. Donc, dagué, vous faites jusqu'à 100. Mais où je suis jusqu'à 1, puisque toutes les boucles qu'on va faire après, c'est jusqu'à 1. La boucle for égale à avant, je l'ai perdue. Donc, je vais prendre ça. Ça. Donc, les boucles qu'on va faire, c'est de 1 jusqu'à 1. Donc, 1 jusqu'à 1. Okay? 1 jusqu'à 1 ici aussi. Donc, ça, c'est des boucles de 1 jusqu'à 1. Pourquoi? Puisqu'on va utiliser un élément. Donc, on déclare une taille maximale. Mais on va utiliser la taille 1. 1, c'est la taille utilisée. 100, c'est la taille maximale. Je l'ai expliqué, eh bien, on vient de faire le même principe. Et ici, qu'elle de réviser bien, monsieur. Oui, donc la première séance, c'est Ségen le vecteur. La prochaine séance, Belak, c'est le jeudi soir, le vendredi. Et ce programme, c'est samedi. Une dernière révision, c'est dimanche la veille. Ok, on va faire la veille. Donc, on va ici, on va se reposer un petit peu. Le vendredi, on va faire la deuxième séance. Le samedi, on va faire la troisième séance. Le soir, c'est-à-dire. On va essayer de commencer un peu tôt. Et les sous-programmes, donc ça va être pour le samedi, Inch'Allah. Je vais vous afficher le planning de la prochaine séance. Okay? Voilà. Après, la dernière séance, ça sera un dimanche. Inch'Allah. Donc, la prochaine séance, ça sera sur les matrices. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien. Merci pour votre attention et pour votre présence. Voilà. Merci à vous. Bon courage et travaillez bien.